Bonjour à tous. Dans cette deuxième épreuve, pourquoi ne pas tenter le numéro 5, Poppy Carius, qui vient de refaire parler d'elle en se classant deuxième sur un 1600 mètres à Fontainebleau. Cet élève de François Monfort retrouve la distance de son dernier succès enregistré en mai 2023 à Compiègne, alors en valeur 31. Elle fait bien 5 loups, bien engagée. Elle ne devrait pas être loin de la gagne. Méfiance toutefois avec le numéro 7, Fleur de Sel, qui excelle sur la distance et répète toutes ses courses ces dernières semaines. Cette protégée de Nicolas Paysan s'est déjà placée sur le parcours du jour. Elle a déjà brillé à des valeurs 33 et bénéficie donc, ce lundi, d'un très bel engagement. Un conseil, ne la sous-estimez pas. Maintenant, c'est à vous de jouer. Surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et on se retrouve tout de suite pour un nouveau Côté Côte dans la 9e.